Bah, arrivé à Kiev, hein, capitale de l'Ukraine, en pleine nuit, 21h, j'ai pris beaucoup beaucoup de retard sur la route. Et puis ici c'est la folie pure quoi. Hein. Incroyable, il y a des néons partout, des lumières partout. Le centre, c'est un peu dans tous les sens en fait. Hein. Donc, vraiment c'est la folie quoi. Donc, je ne sais pas du tout par où je dois aller. Dans tous les sens. Hein. Il y a quelques semaines, alors tout le long là-bas il y a des casinos, en fait il y a plein de casinos. Ils adorent jouer, quoi. Donc, c'est impressionnant. Bon bah, vous voyez hein, comme on peut aller sur un marché ukrainien. Bon, pour moi j'appelle ça. C'est pas mal parce que c'est plein de boutiques dans tous les sens en fait. Beaucoup de fleurs ici, tout le temps beaucoup de fleurs, c'est ça qui est étonnant. Et vraiment, vraiment partout quoi. Donc vraiment il y a de quoi faire, il y a une grande bâtisse immense. Alors je vous montre un petit peu lumière. Alors là je me trouve sur une grande place donc au centre de Kiev. Bah, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit cette colonne actuellement, c'est des fontaines autour. Là ça m'a l'air tout poussé dans ce coin-là. Il y a des robes, il y a une calèche, une fontaine, bon c'est joli quoi. Il y a une place qui descend encore jusque là-haut. Je crois d'ailleurs, je trouvais ce que je cherchais la porte là-bas, ça va être la porte que je cherche. Je vais quand même aller vérifier. Donc je me balade depuis tout à l'heure à essayer de trouver où est-ce que je dois aller. Par contre si j'ai un décalage horaire d'une heure, donc la vidéo sera totalement décalée. Hein. J'ai une heure de plus par rapport à la France. Il y a un peu de temps dans la rue des mariés, alors je sais pas ce que c'est. Bon, ouais, sur les ukrainiennes, par contre, donc, elles sont charmantes, hein, comme vous le savez. Je vais en trouver une ou deux pour Greg à l'arrière. Il faut faire le truc, quand même. Hein. Voilà. Encore une grande place de Kiev, donc, hein, où je me balade depuis tout à l'heure. On marquera les costumes typiques, avec les touristes, bien évidemment. Alors j'aime beaucoup cette place là parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'elle est, elle est bien vide au milieu. Je trouve que c'est pas mal, je sais pas. Elle a l'air tranquille pour ce calme. Je sais la situation mais c'est tranquille. Donc, j'ai une petite rivière là-bas. Là je cherche une finité, alors il y a un quelque part. Je devrais trouver quelque part, mais non, je vois pas. Je suis sur la place que je vous disais tout à l'heure, donc je me suis approché. Voilà. Alors, c'est pas ce que je sais parce que c'est dans le film, c'est que. Non, pas qu'il y a des canons de place, mais qu'il y a plein de mariés. Il y en a une là, il y en a une là-bas qui s'en va. Il y en a encore une qui est là, il y a 5 minutes d'ailleurs, et voilà, là-haut. Je dirais que c'est la place des mariés, il y a toujours une belle la date pourrie au milieu. Ouais, les motines au fond, un petit peu voile. Alors, je suis sûr que je vais marier, mais en tant par l'argent, moi j'ai fini. Il y a des choses vers là, apparemment, donc je sais pas trop ce qu'il peut y avoir. En fait, entre celui du fond là-bas, le mètre de deux, c'est pareil. Dans le haut du parc où je suis, là. Le chemin principal du train. Hein.